Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. 28 372 personnes, dont plus de la moitié de femmes, ont été admises au concours d'accès à l'École nationale d'administration en 2023. Un bilan plus que satisfaisant par rapport aux 854 admis cette année. La Côte d'Ivoire engagée pour une meilleure normalisation, du moins, c'est l'ambition qu'affiche le Codinorm. Plus de détails dans ce 7 minutes. Et en fin d'édition, lucarne sur la solidarité en ces temps de jeûnes, chrétiens et musulmans, temps durant lesquels 300 personnes ont aidé à organiser cette rupture collective. Mais avant de développer ces titres, triste nouvelle pour la grande famille du sport ivoirien, l'ex-directrice générale de l'Office national des sports, Mariam Kone Yoda, s'est éteinte dans la matinée du 22 mars. Âgée de 60 ans, l'ancienne handballeuse et professeure de sport a, selon les sources familiales, succombé à un malaise. La session 2023 des concours de la fonction publique et de l'ENA ont livré leur bilan, avec 28 372 admis contre 854 pour les concours d'accès 2024 à l'École nationale d'administration. L'heure est à la satisfaction. Nous ambitionnons d'aller plus loin et de parfaire notre processus d'organisation des concours. Notre ambition est de rendre crédibles les résultats de ces concours. Notre ambition, c'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens aient les mêmes chances d'entrer dans notre administration. On compte 14 410 femmes, soit 50,79% dans le nombre d'admis fixé à 12 954 au titre des nouveaux recrutements et 15 418 pour les promotions. Un peu plus de 123 000 candidatures. Je dis bien candidature puisque il y a des candidats qui font plusieurs concours, donc ça donne 123 000 candidatures pour 25 000 en ce qui concerne la fonction publique, un peu plus de 25 000 admis. Et reste attendu que l'ENA a ses chiffres également qui sont à prendre en compte. Tout le processus tel que nous avons présenté, c'est-à-dire avant les compositions, pendant les compositions et après les compositions, toutes les activités qui avaient été programmées ont été effectivement déroulées. L'esprit élitiste est demeuré. Parce que nous avons trois étapes au niveau de ce concours-là. Vous avez bien noté, nous sommes partis de 45 000 candidats à 42 000, puis au final, à environ 800 candidats retournés. Ce qui représente plus de 10% des effectifs de candidature enregistrés. C'est-à-dire que la volonté de faire en sorte que les meilleurs des meilleurs accèdent à l'ENA demeure intacte et doit se continuer. Le numérique a joué un grand rôle dans l'organisation des concours pour l'année 2023. Il permettra de revisiter le processus d'admission et de l'améliorer les prochaines années. Un appel a aussi été fait concernant les faux diplômes qui sont, pour rappel, passifs d'emprisonnement. Une salle bondée de monde, dont plusieurs experts ainsi que plusieurs acteurs du monde de l'entreprise, tous sont venus pour participer à cet atelier organisé par Côte d'Ivoire Normalisation. Objectif, promouvoir la qualité des produits et services. Constant Boka est confiant. Le directeur général de Codinorm veut amener les entreprises au respect des normes en vigueur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est une exigence. Vous avez près de 16 familles de produits qui font l'objet d'une obligation. Des produits alimentaires, donc c'est la famille des produits alimentaires, les produits électriques, les produits électroniques, les machines. C'est la Côte d'Ivoire faire obligation que ces produits-là soient conformes aux normes. Créé le 24 septembre 1992 par le secteur privé et l'État, Codinorm est l'organisme national de normalisation et de certification ayant plusieurs missions dont l'élaboration, l'homologation et la diffusion des normes ivoiriennes. Bonne nouvelle pour le secteur agroalimentaire. Une cargaison en provenance des États-Unis vient de décharger 26 000 tonnes de farine de soja au port autonome d'Abidjan. Cela s'est rendu possible grâce au partenariat commercial entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Venant des États-Unis, est réputé pour sa haute qualité, sa haute valeur nutritionnelle et il est connu comme un excellent produit pour l'alimentation animale, donc qui va servir au secteur du bétail, au secteur de l'élevage et particulièrement donc à la filière avicole en Côte d'Ivoire. Je suis donc sûr que la Côte d'Ivoire recevra davantage de tourteaux de soja venant des États-Unis et que ce tourteau de soja
va permettre de pouvoir très bientôt constater de nouveau de nombreux poulets bien gras. Quant au représentant de la société Sonal, chargé de la commercialisation de la farine de soja, ils ont souligné l'importance de cette cargaison pour le secteur agricole ivoirien. La farine de soja américaine sera utilisée pour l'alimentation animale, contribuant ainsi à l'amélioration et la productivité de la qualité des productions agricoles en Côte d'Ivoire. Le déchargement de cette cargaison de farine de soja américaine représente non seulement une opportunité économique significative pour les entreprises locales, mais également un exemple concret de la coopération internationale dans le domaine du commerce entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Se mettre à la disposition de sa communauté pour aider les autres, une évidence pour Aminata. Hôtesse dans un restaurant, Aminata, la vingtaine révolue, a porté le costume d'emballeuse de beignets pendant cette période. Elle est à la tâche pour satisfaire des fidèles musulmans et chrétiens. L'action, c'est le partage, c'est la joie de vivre, c'est la convivialité, c'est l'amour entre nous d'abord et ensuite vers nos prochains. C'est ce qui m'a poussé à me présenter et à intégrer plutôt cette association. Kadidiatou Balo, agent administratif, est aux petits soins pour la réussite du partage du jour. Et à quelques minutes de l'appel du mieux-un, la tâche n'est pas facile. On est un peu stressé parce que c'est déjà presque arrivé et on n'est pas dans le temps. Aujourd'hui, on a été pris par le temps parce que les pays ne sont pas vite arrivés. Donc, on essaie de se dépêcher pour que tout le monde puisse être servi à temps. En tout cas, on essaie de partager au moins 5000 cafés aujourd'hui. On est à pratiquement plus de 100 pénaux. On espère pouvoir partager tout ça. Il est 18h25 quand la voix du mieux-un se fait entendre. Les passants et les automobilistes musulmans ou chrétiens sont servis. 250 baguettes de pain, 30 packs d'eau et 5000 gobelets de café sont distribués aux fidèles. Abou est l'un des heureux bénéficiaires. Vraiment, ça nous soulage en fait. Puisque si on descend, on va à la maison, un peu en retard quoi. Voilà, on est un peu en retard, donc si on reste en route comme ça, pour couper, je ne sais pas comment il faut dire ça, voilà, pour rompre notre chaîne, c'est ça. Voilà, donc vraiment, voilà, ça nous soulage en fait. Voilà, c'est très bien. Ah, vraiment, je suis très content. Ici, Guida Kumasi, chez mon grand frère, il rentre à 13 juillet. Il cherche un point pour que Dieu a fait qu'il y ait eu un endroit sur la route pour pouvoir joindre mon carême. Vraiment, je suis très heureux, je suis très content. Ces vivres proviennent des dons et cotisations entre les membres de la communauté. Plus de 200 bénévoles sont mobilisés pour cette activité. Aider les fidèles chrétiens et musulmans à rompre leur jeûne. Oui, je suis très satisfait parce que, comme vous le constatez, déjà, il n'y a plus rien sur les tables. D'habitude, quand nous faisons, c'est à partir de 17h30 jusqu'à 19h. Mais là, vous voyez que les tables sont vides. Il faut dire que nous sommes satisfaits, le but est atteint. Ces jeunes hommes et femmes de tout âge et de toute confession religieuse sont regroupés dans une organisation nommée la Communauté du Succès. Ils arpentent les rues d'Abidjan au minimum 4 fois dans la semaine. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.